5 juillet 2016. Alors que la quatrième étape du Tour de France touche à sa fin, Olivier Nassen et Markel Irizar, épuisés, rendent les armes. Plus de 200 km après s'être échappés du peloton, ils sont finalement rattrapés à 7 km de l'arrivée. Ce triste scénario, c'est malheureusement le plus courant sur le Tour de France. Sur la grande boucle, une échappée, c'est-à-dire un petit groupe de coureurs qui décident de partir faire la course en tête, finit très souvent par se faire rattraper. En 2017, des chercheurs ont voulu connaître la proportion d'échappés qui parvenaient à remporter une étape. Ils ont calculé qu'entre 2013 et 2016, moins d'un tiers des échappées avaient été victorieuses. Alors, on pourrait se dire que si les échappées échouent autant, c'est tout simplement parce que les coureurs de l'échappée sont moins forts que ceux du peloton. Sauf qu'en fait, non. Ah non ? Non. Enfin peut-être, mais c'est pas pour ça qu'ils se font rattraper. Ah, et pourquoi alors ? Pour le savoir, il faut d'abord comprendre comment font les coureurs du Tour de France pour faire du vélo, vite et pendant longtemps. Et pour ça, il faut s'intéresser à l'air. L'air, c'est une force qui exerce une pression sur nous. La plupart du temps, ça va. Mais plus on va vite, par exemple à 45 km/h sur un vélo, plus cette pression est forte. Et plus cette pression est forte, plus elle a tendance à nous ralentir. C'est ce qu'on appelle la résistance de l'air. Résultat, pour aller vite sur un vélo, le plus grand obstacle que doit surmonter un cycliste, c'est l'air. Pour illustrer ce phénomène, un cycliste sud-africain a tenté de faire du vélo dans une position un peu étonnante. À peine change-t-il de position, qu'il va beaucoup, beaucoup plus vite. Cette technique, c'est notamment celle utilisée par les coureurs du Tour de France lors des descentes. On les voit se pencher sur leur vélo, comme ça, ou encore comme ça. Cela permet de diminuer la surface sur laquelle l'air fait pression, et donc de réduire l'importance de la résistance de l'air. Problème, faire tout un Tour de France dans cette position, c'est un peu compliqué. Pour lutter contre l'air, les cyclistes ont donc développé une autre stratégie que l'on pourrait appeler la stratégie du bouclier. Je m'explique. Lorsqu'un cycliste avance à 45 km/h, il forme dans son sillage une zone où la résistance de l'air est très faible. C'est ce qu'on appelle la zone d'aspiration. En 2009, des chercheurs ont calculé qu'être dans la zone d'aspiration d'un cycliste permettait de diminuer l'effort des coureurs de près de 40%. En restant dans la zone d'aspiration du coureur qui le précède, un coureur économise donc beaucoup d'énergie. Or l'énergie, c'est important pour faire du vélo vite et pendant longtemps. Si les coureurs parviennent à aller vite pendant le Tour de France, c'est donc en grande partie grâce à la technique du bouclier. Mais attends, celui qui est devant là et qui se prend tout le vent, c'est lui qui fait tout le taf genre ? Non. Pour éviter que celui qui roule contre la résistance de l'air ne s'épuise, les coureurs se relaient. Ils commencent par se placer à l'avant de la colonne de coureurs et ils pédalent de toute leur force pour maintenir une allure élevée. Puis, ils retournent se placer dans la zone d'aspiration pour se reposer et laissent leur place aux coureurs suivants. Résultat, plus on est nombreux, moins on a besoin de prendre de relais et donc moins on se fatigue vite. Or, dans une échappée par définition, on est moins nombreux que dans un peloton. À valeur égale des coureurs, une échappée peut donc aller vite pendant moins longtemps qu'un peloton. C'est physique. Mais attends, t'as pas dit qu'il y avait une échappée sur trois qui réussissait ? Si, si. Mais si c'est si physique que ça, alors pourquoi il y en a pas zéro ? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est que, même si c'est de plus en plus rare, il arrive que le peloton n'ait juste pas envie de rattraper l'échappée. Pourquoi ? Eh bien parce qu'au Tour de France, il y a plusieurs courses dans la course. 1. La course pour la victoire d'étape. Ça, c'est à la fois l'objectif des échappés et aussi des sprinteurs du peloton. Et 2. La course pour la victoire au classement général. Résultat, si d'une part, les favoris du classement général ne se sentent pas menacés par les coureurs de l'échappée, et d'autre part, les sprinteurs ne sont pas intéressés par l'étape en question, il est tout à fait possible que le peloton laisse la victoire d'étape à l'échappée et choisisse de s'économiser pour d'autres étapes plus importantes. Ok, donc en gros, t'es en train de me dire que la seule chance que la pauvre échappée ait de gagner, c'est si le peloton la laisse faire? Je veux pas dire, mais enfin, il a pas l'air très bien ton sport, hein. Ah, attends, j'ai dit qu'il y avait deux raisons. La deuxième raison, c'est qu'il y a un endroit où la supériorité du peloton est beaucoup moins importante, la montagne. Dans ce genre d'ascension, le plus gros obstacle contre lequel le cycliste doit lutter, ce n'est plus l'air, mais la gravité.
Résultat, dans les étapes de montagne, les échappés réussissent près d'une fois sur deux. Problème, au Tour de France, comme dans la plupart des courses cyclistes, il y a beaucoup plus de ça que de ça. Sur l'édition 2017 du Tour, par exemple, il y a eu, j'ai compté, 188,3 km d'ascension pour 3450 km de course, soit seulement 5% de la course. Et même dans les étapes de montagne, la plupart du temps, après les montées, il y a de nouveau du plat, et donc, de nouveau, de l'air. S'ils ne veulent pas se faire rattraper par leurs poursuivants, les échappés doivent donc se relayer jusqu'au plus près de la ligne d'arrivée. Sauf que très souvent, elles ne le font pas. Mais quoi encore ? Je disais que ça arrive qu'ils se relaient pas, en fait. Oui, mais pourquoi ? Pour le savoir, il faut cette fois s'intéresser à quelque chose qui n'a plus grand-chose à voir avec l'air, et qu'on appelle le dilemme du prisonnier. Voici Patrick et Michel. Patrick et Michel viennent de braquer une banque. Il y a eu un braquage de banque ? C'est terrible, ça. C'est pas nous. La police décide alors de les interroger séparément. Chacun peut décider soit de garder le silence, soit de dénoncer son complice. Moi, je lui avais dit de pas le faire. Si les deux se taisent, la police les inculpe pour des faits mineurs et ils font chacun un an de prison. Si les deux parlent, ils sont jugés pour le braquage et ils font chacun 5 ans de prison. Et si l'un des deux seulement parle, le traître ressort libre et l'autre fait 10 ans de prison. Collectivement, ils ont bien sûr intérêt à se taire tous les deux. Un an de prison chacun, c'est beaucoup moins que 10 à 2. Sauf qu'à l'échelle individuelle, Michel a toujours intérêt à trahir Patrick, et ce, quoi que fasse Patrick. Si Patrick le balance, il a intérêt à le trahir lui aussi pour faire moins de prison. Et si Patrick ne le balance pas, il a quand même intérêt à le trahir pour ne pas faire de prison du tout. Maintenant, imaginons que Patrick et Michel soient deux membres d'une échappée à quelques kilomètres de l'arrivée. Cette fois, ils ont le choix entre prendre des relais pour que le peloton ne les rattrape pas, ou bien ne pas prendre de relais et profiter de l'aspiration de son partenaire pour économiser ses forces. Car l'échappée a beau être un effort collectif, à la fin, il n'y en a qu'un seul qui gagne, celui qui a suffisamment d'énergie pour remporter le sprint final. Mais revenons à notre tableau. Si Patrick et Michel se relaient, ils ont une chance de remporter l'étape. Si aucun ne se relaie, il est très probable que le peloton rattrape l'échappée. Et si l'un des deux relaie et l'autre pas, dans le cas où le peloton ne le rattrape pas, le traître va gagner l'étape et l'autre va la perdre. Collectivement, Patrick et Michel ont donc encore une fois intérêt à collaborer. Sauf qu'individuellement, il est beaucoup plus logique de trahir. Si Patrick ne prend pas de relais, Michel n'a aucun intérêt à en prendre. Car même si l'échappé ne se fait pas rattraper par le peloton, il sera fatigué et va probablement perdre le sprint final. Et si Patrick prend des relais, Michel a quand même intérêt à ne pas en prendre pour avoir plus de chances de le battre lors du sprint final. Dans tous les cas, il vaut mieux trahir son partenaire. Si Patrick et Michel sont des êtres rationnels, il est donc fort probable qu'ils finissent par se trahir mutuellement. C'est ce qui s'est passé lors de la 14e étape du Tour de France en 2015. Alors qu'il reste moins de 2 km avant la ligne d'arrivée, Thibaut Pinot et Romain Bardet sont seuls en tête de la course. Ils se sont débarrassés du reste de l'échappée dans la dernière ascension, et la victoire leur tend les bras. Sauf que si près du but, aucun ne veut la céder. Les deux coureurs s'observent et surtout, ils ralentissent. La suite, ils vont probablement la regretter pendant très longtemps. Et retour de Cummings qui... Ah ouais, attention parce que là, il a fait un énorme retour, le Britannique Stephen Cummings. Il va et le la faire, première ouais. Victoire de Stephen Cummings sur le Tour de France. Mal joué les deux Français là, ils sont battus. Thibaut Pinot qui fait l'effort en danseuse mais qui n'arrivera pas à revenir. Trop tard.